Oui, c'est mon chat. Oui, bon, ça va, c'est moi qui le fais, parce que c'est pas une grosse production. Ici, j'ai pas les moyens d'avoir un chat, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Oui, je voulais vous parler justement à propos des chats, je voulais vous parler d'une nouvelle loi qui est en vigueur depuis le 1er janvier dernier, c'est-à-dire les gens qui possèdent un chat non identifié, c'est-à-dire qui n'est pas tatoué ou qui n'est pas pucé, eh bien vous risquez 750 euros d'amende. Cette loi a été faite pour lutter contre l'abandon, soi-disant, des animaux. C'est encore un nouveau complot, c'est sûr. Attends, ils pucent le chat, comme ça, ça leur permet de le suivre, et comme ça, ils pucent le chat, hein. Comme ça, ils savent exactement où il est avec les GPS, tout ça, et puis comme ça, ça leur permet de... Non, ça, c'est un complot. C'est tout. Attends, on n'est pas dupes, hein. Comme par hasard, ils pucent les chats, quoi, tu vois. C'est dingue. Quoi? J'ai bien le droit de dire ce que je veux quand même, non? Je vous dis qu'ils pucent les chats, je vous dis que c'est un complot. Attends. C'est quoi? C'est une dictature dans ce pays? On peut même pas dire ce qu'on veut? Oh. Bande de moutons, là, vous oubliez tous la réalité, là. Ils pucent les chats, c'est pas pour, c'est bien pour... C'est clair, hein? Couchez le chat. Quoi? Je fais ce que je veux aussi avec le temps.